En exclusivité, Le Parisien a dévoilé ce que le policier à l'origine de la mort de Naël a déclaré pendant sa garde à vue. Il décrit comment il a vécu cette scène d'horreur et l'on peut voir que son collègue n'a pas tout à fait la même version des faits. Mardi 27 juin, un drame s'est produit. Naël, jeune homme de 17 ans, est mort. Il était au volant d'une voiture à Nanterre, sans permis de conduire, et lors d'un contrôle il a été tué par un policier après un refus d'obtempérer. Des images insoutenables ont été dévoilées et de nombreuses émeutes ont eu lieu un peu partout en France. Le policier, lui, est mis en examen pour homicide volontaire et a été incarcéré à la prison de la Santé, à Paris. Le Parisien vient de dévoiler un compte-rendu des déclarations en garde à vue du brigadier de 38 ans. Selon les dires de Florian M., quelques heures après les faits et après avoir subi un examen psychiatrique, il ne voulait pas tuer le jeune adolescent. Il en était à son 9e jour de travail consécutif et ce jour-là, au petit matin, avec son collègue, il a repéré une Mercedes dont le moteur vrombissait et qui circulait dans la voie de bus. Sur leur moto, il s'approche alors de la voiture, allume leur gyrophare et demande au conducteur et aux deux passagers de se ranger sur le côté pour procéder à un contrôle. Naël est alors reparti à pleine vitesse. Selon le collègue de Florian M., Naël serait allé jusqu'à 80 ou 100 km/h. Finalement, les policiers retrouvent la voiture bloquée dans des bouchons. Florian M. se place au niveau du pare-brise et sort son arme. Il se met alors en tir fichant, CST est un tir pour lequel la balle doit obligatoirement se ficher dans le sol à une distance très courte. Il aurait alors crié à Naël de couper le contact et tapé plusieurs fois contre le pare-brise pour attirer l'attention du conducteur. Si est-il à que t'ouvrir .2 policiers, deux versions Florian M. est à ce moment persuadé de voir son collègue passer le haut de son corps dans l'habitacle, vraisemblablement pour essayer de maîtriser le conducteur ou pour tenter d'appuyer sur le bouton stop du contact et affirme avoir eu l'impression que Naël avait fait avancer et reculer le véhicule. Florian M., un peu poussé, s'est senti en danger et a craint pour son coéquipier que l'adolescent l'embarque dans sa fuite. Si est-il à qu'il tire? Comme l'explique le Parisien, le collègue a expliqué qu'il n'avait en réalité que le bras dans la Mercedes et que Naël avait bien, après 10 à 15 secondes, coupé le contact du véhicule. L'ado aurait toutefois ensuite replacé sa main sur le volant puis activé le levier de vitesse de sa voiture, explique ensuite le quotidien. Et de poursuivre, le collègue de Florian M. avait alors, lui aussi, craint de se retrouver écrasé contre le mur. En revanche, il ne se prononce pas sur la légalité du tir de son collègue, ne l'ayant pas vu agir puisque son attention était concentrée sur Naël. Autre déclaration importante, le policier à l'origine du tir affirme ne jamais avoir prononcé la phrase « tu vas prendre une balle dans la tête ». Ce qui contredit la première exploitation de cette vidéo réalisée par les enquêteurs de l'IGPN. Sur cette bande, on a un échange entre trois voix et entendu et notamment les propos coupe, coupe et non shoot comme l'ont entendu certains. Une autre voix, peut-être celle du collègue, aurait en revanche bien dit « tu vas prendre une balle dans la tête ». Une autre expertise est en cours. Le policier a fait appel de son placement en détention provisoire et l'audience à la chambre de l'instruction se tiendra ce jeudi à Versailles, Yvelines.
Now.